Ok. Bon, bonsoir. Bon, j'ai un petit souci. Il m'indique qu'on est encore sur FM 2021. On n'est plus sur FM 2021. Mais je sais pas, c'est parce que j'ai lancé avant 22h le stream. Et qu'il peut pas se mettre à jour du coup. Ou c'est que chez moi que ça reste bloqué sur FM 21. Si quelqu'un pouvait m'indiquer, je ne dirais pas non. Bah le jeu, le jeu. Twitch indique encore qu'on est sur Football Manager 2021. Je sais pas si c'est juste chez moi et que ce serait les cookies qui font n'importe quoi ou. Et là, a priori, enfin chez moi en tout cas, c'est indiqué FM 2021, saison catastrophe de l'US Concarneau continue. Mais on n'est pas sur l'US Concarneau ce soir. On n'est pas sur FM ce soir. On est sur RetroArch pour jouer à SG1000. Et c'est un peu chiant parce que s'il y a des gens qui veulent voir de SG1000, ils ne trouveront pas de SG1000. Si on est dans Football Manager. Réactualiser encore une fois la page, peut-être que. Ah, il m'indique toujours Football Manager. Aïe aïe aïe. Je parle en dehors de RetroArch, hein, je veux dire. En dessous, là où tu as le nom de la chaîne, il y a indiqué normalement ce que tu streams et ça indique FM21. Ok, ouais, donc c'est pas moi. Je pense que c'est parce que j'ai lancé avant 22h. Bon, on pourrait se mettre à jour automatiquement quand c'est prévu. Bon, on appelle des copains à la rescousse. Avec un peu de chance, quelqu'un va réagir vite. Et sinon, bon, on va déjà commencer comme ça, c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a un moyen de voir si quelqu'un a vu le message? J'en ai aucune idée. Bon, on va continuer comme ça. On va commencer comme ça plutôt. Parce que pour continuer, il faut déjà avoir commencé. SG1000 donc, la dernière fois on s'était arrêté. Je sais plus si on a joué au jeu de Mahjong. Mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant dans la mesure où je ne sais pas y jouer? J'ai un doute. On va le lancer. Comme ça, on ne pourra pas dire que je l'ai loupé. Mais bon, voilà. On va dire que ça commence déjà mal là. Niveau son, on est bon ou c'est un peu trop fort ou pas assez fort? Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait une utilité à jouer en vrai, hein. Ouais, mais Shenron n'est pas là pour le moment, donc bon.
En plus, là, j'appuie sur les touches de la manette, mais il se passe rien. Donc voilà. Ah là là, c'est quand j'ai le plus besoin de Shenron qu'elle n'est pas là. Est-ce que je... Non, start, ça fait rien. Bon. Bon, on va essayer juste avec un autre émulateur, histoire d'être sûr que c'est pas... Fermer le contenu. Associé au cœur, on va lancer avec Gear System, voir ce que ça donne. Jusque-là, ça fonctionne. Ouf, le son me semble beaucoup plus fort. Ouf, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ok. Donc là, il y a des... Ah, non. Ah si, 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 cette fois je peux... Je sais pas ce que j'ai fait. Ok. Elle m'avait parlé d'une histoire de brelan. Là, des comme ça, j'en ai deux, donc je vais essayer de les garder. Je vois. Je vois rien du tout. Ok, je peux nous plus rien faire. On reviendra sur ce jeu quand elle sera là. On va commencer du coup, parce que maintenant on commence vraiment. Ouais, c'est ça tout en japonais, donc je risque pas de comprendre. Moi j'ai fait allemand LV2 et pas japonais. Ok, donc Hustle Chummy. Donc a priori, petite souris, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on doit essayer d'atteindre le haut du niveau. Oups. D'accord. Ah, mais c'est un jeu compile. Mais oui, mais du coup, tout prend sens. Ah, d'accord, les machins là, ils bougent, ils sont pas tout le temps ouverts les plaques d'égout. D'accord. Est-ce que je peux monter là? Non. Zut. Ok, on mange la pomme, je sais pas quoi ça, ce que ça fait. Est-ce que je suis censé tout les manger? Ah non, d'accord, plus... Ok, plus je mange, plus je ralentis parce que je grossis. Ça va, les sauts ne sont pas affectés, a priori. Maintenant, reste à voir, est-ce que je peux encore sauter au-dessus du perso blanc? Non. Enfin, si, mais pas le bon timing. Bah, ils étaient pas mal connus dans les années 80 et début 90 pour leur shmup. Et ils ont fermé... Début... Oh, pièce de chat, il peut nous sauter dessus aussi. Début des années 2000, je crois. Et c'est eux qui ont fait l'Hyperdimension Neptunia, qui au départ était édité par Sega. Mais bon, le premier jeu était vraiment... On va dire que on sentait que c'était leur premier RPG. Il y avait beaucoup de choses peu ergonomiques qui avaient été mises en place. Allez, petite souris! Vas-y! Ah, mais attends, j'ai réatterri en bas, du coup, c'est. Ça me sert juste de TP. Je dois aller chercher la dernière pomme, c'est ça? Et dans Hyperdimension Neptunia, il y a. Une souris qui ressemble beaucoup à cette souris en fait. Et qui est un personnage un peu récurrent. Je pense qu'il y a là une petite, un petit clin d'œil à repasser. Oui, parce que du coup c'est plus compil depuis début, milieu des années. Oh, ce chat. Ah mais attends, c'est vrai, je peux passer par là. Non? Ah non, je peux pas sauter. Ok, c'est pas grave, il est loin. Il
Depuis, c'est Compile Heart. Et c'est eux qui font du coup les hyperdimensions des petits. C'est devenu un peu. Oh, c'est pas vrai! La hitbox, quoi! C'est un peu devenu une boîte qui fait pratiquement qu'une seule série. Parce que bon, à part ça, ils ont les. À part les hyperdimensions des petits. Il y a une autre série de RPG qu'ils font. Qui n'est pas une parodie du monde de jeux vidéo. Est-ce que j'arrive à passer sans mourir? Oui. D'accord, mais là je les ai toutes du coup. Qu'est-ce que je. Ah, peut-être que je dois repartir par le trou en bas? Oh non! Oh, je peux passer par là. Je sais même plus c'est quoi la deuxième série de RPG qu'ils ont, mais ça utilise exactement le même gameplay que Hyperdimension Neptunia et. Non? Si? Ah, ouais, c'était ça. Fallait que je revienne au point de départ. Et ouais, je crois pas qu'ils sortent encore autre chose, hein, c'est que ça. C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de jeux sympas. Bah, c'est aussi eux qui sont à. Attends, là, je crois que je mélange. Si les Mao Monogatari donc qui ont donné Puyo Puyo, il me semble que c'est eux aussi. Là ça va être dur par contre de passer avec une seule échelle. Ah oh, mais j'ai pas touché! Ok, si j'appuie sans me déplacer, ça saute quand même en avant. Oups, comment je l'ai eu le chat là. Il a rien vu venir. C'est par là. Mais ouais, du coup, je sais pas où il se situe ce jeu par rapport à leur historique, si c'est un de leurs. Si c'est vraiment un de leurs premiers jeux ou si ils avaient déjà une petite expérience. En tout cas, le jeu est sympa. Le fait que la souris récupère les. Je crois que c'est des glaces maintenant qu'on récupère, mais bon. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour une souris de manger des glaces. Et le fait qu'elle ralentisse au fur et à mesure qu'on est. Enfin, je parle pour qu'elle ralentit plus en fait, mais. Le fait qu'elle ait ralenti une fois qu'elle a pris. Oh là là, oh, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Un peu. Ah là, il s'ouvre. Parfait. Fait que t'as assez peu de risques au final tant que t'as pas mangé. Tu peux facilement t'enfuir et laisser l'adversaire derrière toi. Ok, level 3. Ouf! Le chat m'a complètement eu là. Ah. Ah. Bon, la hitbox, elle est quand même un peu vache, hein, j'ai envie de dire. Je pense que c'est des cas. Oh, punaise, j'ai eu chaud là. C'était pas un très bon choix de ma part de me jeter comme ça. Et ça passe. Et une fois que je serai en haut, je devrais être safe pour finir. Allez. Saute! Ok, maintenant faut pas que je me loupe sur ce saut. Ah, je peux pas sauter, je peux pas sauter! Oh, il a fait demi-tour. Je pense que c'est parce que j'étais trop près du tuyau par lequel je suis revenu. Je pouvais pas sauter. On a eu très chaud là. Ok. Commence à y avoir quand même pas mal d'ennemis là. Ah, il revient. Ok. Je peux passer à gauche. Yes. Bien se placer. Oh, et la chauve-souris qui arrive de l'autre côté. Ah non! Ah, c'était compliqué là.
Je sais pas si le niveau qu'on voit là sur l'écran d'accueil, c'en est un auquel on accède plus tard. Mais ça doit être particulièrement retors d'éviter les ennemis avec un pas. On a un seul passage en fait pour monter. Donc on est obligé de bien timer ses sauts. Le jeu est pas mal, franchement. On est dans le même esprit que Girls Garden, Ciseaux et tout ça avec des petits graphismes sympas. Ça exploite assez bien les couleurs pastel. Ouais, c'est un rat, mais je suis désolé. C'est plus un. Regarde comme c'est mignon là. Ça peut que être une souris. On sait bien que les rats, c'est toujours les méchants et ils sont moches. Et les souris sont les gentilles et sont mignonnes. Ça fait partie des règles des jeux vidéo et des dessins animés en général, hein. On va passer au jeu suivant quand même, mais très sympa là, le Assault Chami. Regarde-moi. Honnêtement. Est-ce que tu appelles ça un rat? Qui appellerait ça un rat? C'est une adorable. Par contre, du coup, on voit que nos ennemis, ce sont des dragons qui crachent du feu. Des prototypes de Megaman qui ont été abandonnés dans les égouts, j'imagine. Des crocodiles, des chats, des chauves-souris. Le cover est. Enfin, l'artbox est super cool, franchement. On pourrait penser à un poster pour un dessin animé Disney. Ok, hyper sport. Bon. J'imagine que c'est un truc des Jeux Olympiques où je vais devoir tabasser ma manette. Ça y ressemble. Ah oui, oh. Et en plus ça commence par du plongeon. Ok. Alors là, je pense que sans manuel ça va être compliqué. Parce que j'ai essayé de faire comme dans Olympic Gold 92 sur Master System. Pour le plongeon, c'est-à-dire utiliser flèche directionnelle. Mais il fait absolument rien en fait. Ou alors c'est pas à moi de jouer en fait? Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Si j'appuie non. Non, il ne fait rien. Voilà, c'est. La vidéo se brouille de temps en temps? Comment ça, c'est genre il y a des artefacts visuels ou. Je roule en. Bon, sur le retour, je vois rien. Après, c'était peut-être. Ok, parce que moi sur le retour j'ai rien de ce genre. Attends. Vite fait voir les paramètres si quelque chose que je peux changer peut-être. Vidéo. Ok, je peux pas changer pendant que je suis en direct. Peut-être augmenter le débit. Oups. On va voir si ça le refait là. J'ai augmenté les débits à 15 mégaoctets, 15 mégabits seconde. Ouais. Je pense qu'on va passer hyper sport parce que. Il se passe absolument rien quand j'appuie sur les touches. Ouais, peut-être ton débit après, mais. En tout cas, là, j'ai augmenté de mon côté. Même le débit que j'envoie là pour les images, on est à 6 mégabits seconde. Donc, on le sature absolument pas. Donc, je penserais peut-être pour un souci de ton côté. Bon, hyper sport.
seul sport auquel j'ai accès, c'est le plongeon, a priori, et il réagit pas, peu importe, c'est toujours que j'appuie. Donc, passons à la suite. Hein. Kings Valley, ah. Alors, lui, j'avais déjà un peu joué. Et il est très sympa. Donc, on est un joueur d'Indiana Jones. L'objectif, c'est récupérer toutes ces orbes. Oups. On a un seau. Il y a des méchants. Mais le cœur du. Enfin, le point important du gameplay est pas là. Je vais. Faut que je descende pour montrer ça. Et puis là, je me suis. Ah non, ça va. J'ai cru que je m'étais coincé. Ok. On se barre là-haut. Voilà. Le point important, c'est quand tu as une épée. Voilà. On ne peut plus sauter en fait. Tant qu'on a l'épée en main, seule chose qu'on peut faire, c'est la jeter. D'ailleurs, bah, très belle animation du jetage d'épée. Je tiens à le préciser. Et le deuxième bouton ne sert à rien. Donc je pense que c'est un jeu qui, à l'origine, devait être sur Atari 2600 ou un truc du genre. Enfin, sur une console qui n'avait qu'un seul bouton. Voilà. Et là, on passe au niveau suivant. Bon, alors, par contre, je dis que j'ai déjà un peu joué. J'y ai joué le temps de comprendre le gameplay, de passer le premier niveau. À partir du deuxième, bon, déjà on a des pioches là aussi, qui servent à creuser si je me souviens bien. Je crois qu'on peut creuser que vers le bas. Mais surtout, 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 hop, bon, j'ai pris l'épée. Voilà, il y a deux tableaux cette fois. Donc ça devient, je vais pas dire compliqué assez rapidement, mais. Pour aller là-haut, il va me faire forcément la pioche. Mais j'ai pas accès non plus là. Donc en fait je me rends compte que par là je suis bloqué. Je vais prendre l'épée, redescendre, essayer de tuer l'adversaire qui doit être en train de se dire haha, il est coincé. Oh putain! Oh shit, je m'attendais pas à ce qu'il puisse courir comme ça dans les escaliers. Ok. Il venait du cœur celui-là, franchement. Allez. Donc je prends la petite épée. Alors je sais pas s'il repop à l'infini. Non, ça a l'air de gérer les deux écrans en même temps. Là j'ai la pioche. Comment je fais? Oh shit, il est nouveau là! Et là du coup j'ai accès à cette orbe. Hello Shenron, pas de soucis, repose-toi si t'es fatigué. Surtout que demain soir, c'est toi qui passes à la casserole. Tu loupes des très bons jeux par contre, hein, ça je te préviens. Tu vas devoir te mater la rediffusion. Comment je. Ok, là-bas je. Non, comment je pourrais accéder à la plateforme centrale là? Là, a priori, je peux pas. Comment je fais? Bon, au moins, il n'y a pas de timer, c'est déjà une bonne chose, ça, parce que si en plus on avait un timer pour nous stresser, j'arrive pas à lâcher la pioche, surtout, c'est ça qui est un peu problématique. Donc, une fois que tu as un truc en main, encore l'épée, c'est un objet que tu peux lancer, mais la pioche, non. Et comment je peux faire maintenant? Ah! Et il se tape des sprints, les gars! Bon, tant pis, j'ai usé la pioche comme ça, hein, mais. Allez, viens! Là, on va monter comme ça. Je pense qu'il va m'en falloir deux en fait pour ce passage. Une pour faire un trou en haut, et ensuite je cherche la deuxième pour aller récupérer l'orbe. Là. Oh, ça va être juste, ça va être juste. Ah, je suis tombé! Non! Il y a des ennemis partout, je suis coincé maintenant!
failli se louper. Va pas sauter quand même, non. Allez, continue ton chemin. Voilà. Comme ça, moi, je passe par là. Là, c'est plus un jeu de réflexion. Mais action-réflexion. Oh non! Ils peuvent pop là-haut, sérieux? Hop, descends. Ouais, ok. Pète-toi la gueule. Voilà, plutôt ici, sinon je pense que je suis bloqué dedans. Ouais, mais tous. Ils peuvent sauter. Oh punaise, bon. Ça va pas faciliter les trucs. C'est ma dernière vie. J'aurais peut-être dû attendre là-haut. Tu veux pas monter, non? Ah, forcément. Allez, tire-toi à droite. Voilà. Oh, mais attends, je suis coincé de nouveau. Oh, mais. Quel con! Quel con! Ça passe? Oui, ça passe. On va essayer de faire un truc utile de l'autre côté. Est-ce que par là, je peux exploiter d'une manière ou d'une autre? Non. Par là, qu'est-ce que je pourrais envisager faire? Rien du tout, en vrai. Hein. Ah! Conneries j'ai fait. Conneries. Je suis bloqué en fait là. Bon, je pense qu'il y a assez de pioches. Ah non! Ah mais non, je peux pas grimper là-dessus. Oh. Ça m'agace! Ça m'agace! J'ai pas envie de gâcher cette pioche, mais je vois vraiment pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Surtout quand il y a un bloc comme ça devant nous qui est plus haut, je peux pas l'utiliser. Du coup là, ce que j'ai fait n'est absolument pas utile. Tire-toi. Non, on va de l'autre côté. Oh là là. C'est pas ma dernière vie. Bon, écoute. Je vais dire bénef. Pas de conneries, Jérémy. Concentre-toi. On récupère la. Ouf, j'ai cru que j'allais tomber. On récupère la pioche. Allez, allez, tire-toi plus loin. Voilà. On fait le premier trou ici. Hop. Deuxième ici. Une, deux orbes. On se tire! Ok, ensuite, la pioche là, est-ce que je peux en faire quelque chose? Pas vraiment, j'ai l'impression. Ouh, il y a l'autre qui s'excite. Non, rien à faire par là. On revient ici. Peut-être essayer de la récupérer. Voilà. Boum! Dans ta face! Comment je fais en vrai? J'avais pas remarqué, mais la musique elle est très sympa. Enfin, elle a pas le côté assourdissant qu'il peut avoir certaines autres musiques. Attends, voir. Il y a du bleu et du blanc. Est-ce que ça a pas un rapport peut-être avec des orbes? Non, de ce côté j'en ai plus, donc. Bon, on va essayer comme ça. Non, pas du tout. J'ai pas l'impression que je saute assez haut pour l'éviter. Hein. Oh si! Ça passe! Peut-être que. Est-ce que je peux la lancer pendant que je suis. Non, pas du tout. Et là, du coup, c'est vraiment la merde. Yeah.
Je vois pas comment je suis censé pouvoir creuser. Déjà, je peux pas monter là-haut en fait. Une fois que j'ai une pioche, comment je suis censé faire? Je vois pas. Je vois pas, je vois pas. La bleue, je peux la récupérer, c'est pas un souci. Et ensuite. Moi, il faut récupérer la bleue, peut-être que. Non, ça change rien. Il y a l'autre malade qui nous attend. Jeter la pioche comme je peux jeter l'épée. Mais là, on va reprendre la pioche. En plus, maintenant avec le trou que j'ai mis en chemin, je vais tomber forcément. J'ai l'impression que j'ai fait que des mauvais choix là. Et là, et là, et là. Ouais, peut-être c'est vrai qu'on faisait à peu près deux cases de haut. On va juste chercher l'épée en bas et voir si elle passe au-dessus ou non. Des cannes. Ah, peut-être du coup, ouais. C'était peut-être ça. Bon. C'est pas grave. Je pense pas qu'il y ait de grosses évolutions de gameplay. Peut-être encore un ou deux objets qui vont être ajoutés plus loin. Ouais, j'ai quand même envie de voir en vrai. Donc, allez. On testera vite fait avec l'épée une fois. Bon, le premier niveau il est vraiment simple. Hein. Si une fois qu'on a compris qu'on peut pas sauter. Allez. Ok, donc on va juste prendre l'épée et aller tester sur le mur. Ouais, c'est vrai que le mur était différent. Peut-être que c'était du genre de un genre de verre ou. Déjà là on a un ennemi qu'on va devoir tuer avec notre magnifique épée. En fait, faut quand même que. Non! Voilà. On fait un trou ici. Désolé pour toi, mon gars, mais tu tombais à point nommé. Non. Ça rebondit contre le coin. C'est donc autre chose qu'il faut faire. Mais vu qu'on peut pas monter avec une pioche, je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas comment on est censé passer ce niveau. Ah, quoique, quand on est bien proche, j'ai l'impression. Est-ce que c'est genre une chance sur deux que ça passe bien au-dessus? Allez! Oh, attends. Non. Oh! C'était aussi con que ça!
Oh punaise. Alors là, je ne me sens pas très malin. Ok, j'ai ma pioche. Peut-être pas celle-là que j'aurais dû emmener. Hein. Tirons-nous par là. On va lui trouver une autre utilité. Maintenant qu'on est en mesure de récupérer toutes les orbes, on va pouvoir voir si au troisième niveau, ils ajoutent encore une boucle de gameplay ou non. J'ai l'impression que c'était une très mauvaise idée de faire ce trou là où je l'ai mis. Hein. Ah, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, mais comment je fais le tour? Est-ce que je ne serais pas à nouveau bloqué? Ah non, mais pas déjà là. Si je prends la pioche là, je vais de nouveau tomber là. Donc ça ne me sert à rien. Il y a vraiment une logique de un peu de Sokoban comme ça où tu peux te bloquer tout seul si tu fais pas les actions dans le bon ordre, j'ai l'impression. La pioche là en bas, je peux pas la récupérer. Parce que si j'appuie sur bas, il se passe rien. Bon, c'est pas grave. On va s'arrêter avec là pour celui-là. On va passer au suivant. Nightmare. Lui, je crois que je l'ai testé aussi. Jumbo. Écran minimaliste, hein. Petite musique épique sympa. Ah. Ouais, lui, j'avais testé du coup. On est sur un. Un shmup. Mais avec des personnages plutôt que. Le jeu est pas mal. Si. Bah, y avait pas ce. Ce scrolling géré. Enfin. De manière software par le CPU. Qui est pas très agréable. La musique est pas mal, les graphismes sont sympas. Le jeu se joue très bien. Et en vrai, ça change un peu d'avoir un. Ah, mais attends, quand je tire. Oh punaise! Est-ce que je suis invincible? Oui. Ok, donc en tirant sur le P, il a changé de couleur. Et ça a changé son effet, a priori, je pense. Par contre, friser les ennemis, alors qu'il n'y en a que deux à l'écran. Merci Redream68 pour le follow.
Du coup, je pense que ça s'est remarqué, mais vu que je peux me déplacer en profondeur, le scrolling est automatique. Hein, c'est. Ok, a priori. Ouf. Je me suis fait toucher connement là. Non, j'aimerais les doubles flèches. Je sais pas si ça va beaucoup aider, mais ça devrait augmenter mes chances de toucher ces foutues chauves-souris. Ça commence à devenir un peu plus compliqué quand même. Oh. Ah, c'est pas mal ça aussi. Oh, attends, c'est moi ou ça a fait un genre de strike là? Oh là là. Les balles, enfin les boules de feu ne s'arrêtent pas à l'ennemi qu'elle touche. Ça c'est. Je pense que c'est sûrement l'arme la plus puissante du jeu, parce que je vois pas trop comment elle peut faire un truc plus pété dans un shmup. Bon par contre le rythme est quand même beaucoup plus lent, mais bon. Pour ça j'ai une arme qui traverse tout l'écran. J'ai à faire, c'est me concentrer sur le fait de d'en toucher au moins un. Le P, je sais pas ce qu'il fait, mais ah, j'ai pas réussi à toucher la chauve-souris. Ouh, l'unique pont pour traverser, ça risque d'être un peu redoutable. Par contre, bon, les cheveux, oh non, je me fais toucher. Les chevaliers qui traversent la rivière comme ça, bon, hein. Hein? Okay, j'ai l'impression que le jeu s'était un peu accéléré, mais. Ah, ok, j'ai pris l'invincibilité. Bon. Ah, mais attends, Il me laisse pas aller tout en haut. J'avais pas remarqué avant. À l'instant où l'invincibilité se finit, je meurs. Ok, dernière vie. Ah, j'ai un bouclier du coup. Ça, c'est pas mal aussi. Allez, va pour le bouclier. On va éviter de tomber dans l'eau, parce que s'ils ont mis des ponts, je pense pas que c'est pour qu'on puisse aller dans l'eau. Hein. Est-ce que ça se cumule avec le bouclier? Ah non, 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 te tire pas, te tire. Ah! Ah non, 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 non! Oh, punaise! Non, il a pas nagé avec l'armure. On relance encore une fois. On va essayer de faire quand même le premier niveau. Le jeu est très sympa, mais le souci récurrent des jeux SG-1000, hein, c'est le scrolling software qui est absolument pas fluide. Et c'est dommage parce que quand tu vois au final ce qu'on a avec Gull Cave. Oups, bon ok. Ce qu'on a avec Gull Cave qui utilise des raster effects du coup. Et ça paraît super fluide et rapide, c'est vraiment plaisant. Non, je vais tester le blanc. Le blanc. Ok, je pense que je peux traverser les ennemis comme ça, c'est ça, ouais. Invisible. Oh ah, j'ai dû aller sur une genre de mine ou quelque chose, j'imagine. Ok, là on veut. Non. J'ai pris le noir, je sais toujours pas ce qu'il fait le noir. Peut-être qu'il augmente juste les dégâts et que les ennemis plus tard ont besoin de plusieurs attaques pour mourir.
Oh là là. À vouloir récupérer des bonus, hein. Allez. En vrai, je pensais à la boule de feu pété, mais quand tu vois comment elle se disperse, c'est pas tellement plus facile qu'avec juste tes flèches, surtout que tu peux que en tirer. Que tirer une fois. Ah, une fois à la fois, quoi. C'est. Je pense que. Ah mince, moi j'ai repris. Oh, mais. Oh, mais il y a différentes versions. Et là, ça change. Là, par contre. Là, on est bien. Et c'est. Ouf, j'ai failli me le prendre. Et ça continue de traverser les ennemis, donc tout bénef. Si je fais pas le con, je devrais pouvoir finir le niveau avec cette attaque. C'était quand même chaud. Hein. Même avec une attaque aussi puissante, c'est vraiment pas évident. En fait, les chauves-souris, il faut vraiment que je les chope là où elles prennent leur virage pour maximiser les chances de les toucher. En vrai, je pense que là, je veux bien être invincible, voilà. Histoire de faire un peu de score là. On va pas prendre de risque. Voilà, on fait encore lui. Ok, on est rendu au même point qu'avant. Maintenant, faut juste pas faire de conneries. On a deux vies, on a une bonne arme. Les ennemis se font one shot, donc je peux presque me concentrer à ne pas prendre d'attaque. Oups. Oh, ça tire en arrière. Ok. Ah, boss. Oh, j'ai quand même moins de score qu'avant. Ouh, c'est quoi ça? C'est la reine des neiges. Ah, j'ai été touché, je vais plus avoir le bonus. Oh, ça risque d'être compliqué. Ah bah non, ça va. Fallait juste réussir à lui tirer dans le visage, donc ça aurait dû être même plus simple avant. Ok. Les musiques sont sympas. Allez, c'est pas parce que tu te caches dans les fourrés que je ne te vois pas, espèce de. J'imagine que c'est un genre de slime. Ah! Là, mais les cases de je sais pas quoi qui pop juste devant moi. Le niveau 2 est quand même bien. Il semble bien compliqué. Vas-y, on va laisser les ennemis apparaître. Et maintenant, hein, vous faites quoi maintenant? Et ouais, maintenant je vous marche juste dessus. Par contre, ce serait bien si vous pouviez avancer un peu plus vite, histoire que je vous défonce. Yes, nouveau e-score du coup. Et c'est fini juste avant les ennemis. Ok, les nuages, si je les touche, ils me foncent dessus, a priori, c'est ça? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon. Encore une fois, jeu pas mauvais.
Il y a pas mal de jeux vraiment pas mauvais hein, sur SG1000 quand même. En dehors des plus connus comme Girls Garden, j'avais une image assez négative de la console, mais. Oh là là, le scrolling. Oh. Ouais. Alors lui par contre. Oh punaise. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe à l'écran. C'est quoi? C'est un Proto Ninja Gaiden Donc on a sûrement notre copine qui se fait voler. J'allais dire qui se fait voler. Qui se fait enlever. Oh, mais il faut une réactivité de fou! Les premières secondes, tu te fais. Ah, par contre, j'apprends que se faire toucher direct. Oh, punaise. Donc, on est sur un mélange de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, Ninja Gaiden, et tout ça sans scrolling hardware. Allez, on va encore lui laisser une chance. Je vais tester. Je vais toucher juste un ennemi sans rien faire. Ouais. Toucher les ennemis ne tue pas. Oh, ah oui, et. Ouais. Alors c'est très cool, hein, le fait de pouvoir grimper dans un arbre comme ça librement et tout. Mais avec ce scrolling! Aïe aïe aïe! Je me demande si. C'était quoi le. Faut que je regarde après c'était quoi le titre, j'ai pas fait attention. Et si ce jeu existe sur Master System, je pense qu'il pourrait être plus sympa. Avec plus de sprites affichés, un scrolling hardware surtout. Parce que là, hop, je monte comme je veux dans la. Enfin, je fais des sauts comme je veux, je peux m'accrocher au tronc, grimper. Ça reproduit super bien le. Les vieux films hongkongais. Oh punaise, par contre. Ouais. C'est quoi? The Legend of Cage. On va vite faire regarder si. Il a été porté ailleurs. D'abord sorti sur borne d'arcade en 85, porté sur console. Alors bizarrement, il apparaît même pas dans la liste. Enfin, la version SG1000 n'apparaît pas dedans. Donc peut-être que c'est juste une version MSX qui a été convertie et ils sont même pas embêtés. Peut-être sur le wiki anglais. Non plus. La SG1000 n'est même pas citée. Ah, le jeu a l'air vachement plus beau quand même en version arcade. Hein. Ok. Load Runner, on avait déjà fait, normalement. On va remonter, mais il me semble que. À moins que ce soit un autre. Peut-être eu plusieurs versions. Ça va bien être joué avec Stickman, non? Programmé par Sega. Ouais, bah oui, c'est bien. Ah, mais attends, le niveau est différent là. Je suis où? Je suis là en bas. Ça a rien à voir avec celui que j'avais joué. J'en avais testé hein, il y a 2 semaines, il me semble. Un jeu Load Runner. Ok, là je crois que je suis bloqué. Qui commençait sur un autre niveau par contre. Ce que je voulais faire, ça. Alors que la semaine. Non, pas la semaine dernière. Il y a 2 semaines, j'avais pas réussi à passer
Le pro. Non, je. Oh non, le con, je me suis trompé de sens. Ouais, c'est en fonction du bouton que j'utilise que il fait le trou d'un côté ou de l'autre. Pourquoi t'as pas pris là? Ok. Ouf, c'était juste. C'était juste, mais ça passe. Ah, ya, ça passe encore. Hop, ça passe. Et on finit le niveau. Ben voilà, celui-là, il est jouable au moins. Comme celui de la semaine dernière qui. Je continue avec la semaine dernière. Celui d'il y a 2 semaines qui était hyper retors là. Oh shit. Mais quelle connerie j'ai fait. Comment je suis censé accéder à celui qui est enfermé? Peut-être par là? Non. Hop, là. Ah, trop tôt. Bon, le jeu déjà est jouable, c'est une très bonne chose par rapport à celui d'il y a 2 semaines donc. Par contre, l'absence de musique c'est quand même un peu. J'aurais préféré qu'ils mettent pas de bruitage et qu'on ait droit à une petite musique sympatoche. On descend par là et ensuite on va essayer de trouver comment chercher le dernier point là. Non. Les parties pleines, je peux pas les creuser. Est-ce que je peux creuser plusieurs trucs comme ça et ensuite. Oui! Et du coup, maintenant, je peux m'enfuir par là-bas. Tout fait sens. Allez, allez, allez. Yes! Ah, mais trop tôt de nouveau. Il a confondu vitesse et précipitation. Voilà, t'es dans le trou, j'ai eu les points. Ah. Ok, bon ben. Si c'est bien précisé. Hop, que ce soit SG1000. Moi, ça me va. Oh, mais non, pourquoi il a lâché? Tu n'étais pas censé lâcher. Hop, bon, écoute, tant qu'à faire, on passe là-haut. On redescend. Voilà. Ah mais. Nouille. Bon. Beaucoup plus sympa qu'il y a 2 semaines. Je sais pas c'est quoi la différence. Celui-là a été programmé par Sega. Je pense que c'est une bonne raison pour dire que c'est un meilleur jeu. Allez, va pour Magical Kid Wiz. Vas-y, je viens de penser, mais. J'ai réussi à bloquer la taille de la fenêtre. Pour ne pas avoir à le refaire à chaque jeu. Faut que je pense à aller dire à Shenron demain. Ok. Qu'est-ce que. Ah, c'était la démo. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un jeu de plateforme aventure comme ça? Oh.
Est-ce que je peux changer d'arme ou quelque chose? Non. Le boomerang que j'ai chopé en bas, comment on l'utilise? Ah, zut! Je crois que c'est en restant appuyé sur l'attaque que je pouvais changer. J'ai plus d'autres objets maintenant. On va avancer. Comme d'hab, hein, le scrolling n'est pas satisfaisant, mais bon. Oh punaise, ça surprend. Qu'est-ce que c'est que ces monstres bleus que je peux pas tuer? La musique est... Oh, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Ah non, on a un bouton pour sauter, mais on peut... On peut aussi sauter avec... Oh, c'est pas... Ok, je suis mort. D'accord. Oh punaise, bon. Pas bien sûr de comprendre ce que le jeu attend de moi. Est-ce que j'ai des points de vie ou pas? Pourquoi les... Qu'est-ce que c'est que ces points qui me traversent? Insistons un peu, insistons un peu. Et vu que la musique n'est pas agréable, on baisse le son. Tout simplement. Bon. Ah oui, effectivement, j'avais même pas remarqué. Et effectivement, elle se coupe avec... Quand je tire. C'est quoi ces points? C'est quoi ces monstres bleus que je peux pas battre? Ok, on va essayer de prendre la porte là. Ça va pas être facile. Yes. Ok. J'ai un cristal, je sais pas ce que ça fait, mais... Partons par là, du coup, hein. Ah, y a les timers en bas qui défilent. Ok, et... D'accord, si je vais dans l'eau, je meurs. Qu'est-ce que... Oh, mais... Mais c'est... Oh là là, bon, je pense qu'on va passer à un autre jeu là. Il avait l'air pas mal. Il avait l'air pas mal. Bon, visuellement c'est pas dingue, mais bon. Petit jeu d'aventure, on n'en a pas vraiment eu jusque-là. Le scrolling est toujours pas... Ah tiens d'ailleurs. Si je reste appuyé sur B et je fais pas... Oui! Je peux changer d'arme comme ça après. Et quand j'ai essayé d'utiliser, ça a juste disparu. Mais a priori, mon... Ok. Ouais, le scrolling n'est toujours pas terrible, mais vu qu'il essaie pas d'être rapide, ça va. Et comme il n'est pas vertical, c'est moins choquant que sur... Nightmare ou... Il y avait quel autre jeu où ça c'était bien visible? Bah, Girls Garden déjà. Ou le fait de pouvoir pas se déplacer sans scrolling dans la profondeur. Et avec le scrolling dégueulasse, ça fait que ça se voyait direct que
c'était pas fluide. Là, du coup, ça allait. Mais par contre, le reste, je pense que c'est le genre de jeu où c'est compliqué sur la notice. Du maillon, oui, j'adore ça. Allez. Tout en japonais, évidemment. J'ai exprès choisi Taïwan hein, dans l'espoir où il y aurait peut-être de l'anglais. Et ben du coup. Mais attends, là j'ai. Est-ce que je peux choisir plusieurs trucs? Je connais pas les règles. Bon. On passe tout de suite à la suite. Hein. Monaco GP. Ah. On va tester la révision 2. Je sais pas si ça change quelque chose, mais. Donc on avait eu GP World la semaine dernière qui était vraiment pas mal. Hang On 2 qui au final était pas si mal. Il avait des soucis, mais bon. On est sur un jeu beaucoup plus minimaliste, a priori. Qu'est-ce que. Attends voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement que je peux faire quand j'appuie sur le bouton? Ok. Plus je me mets en haut de l'écran, le plus vite ça défile. C'était de la glace. On dirait un peu une adaptation de Turbo, mais sans la vue arrière. Allez, on augmente encore un peu le rythme. Bon, les bruitages, hein, c'est exactement les mêmes que ce qu'on trouve dans tous les jeux de course de l'époque. C'est un vrai jeu arcade, du coup? Enfin, je veux dire, c'est. Ouh! Ça, c'est pas mal par contre. Ouais, par vrai jeu d'arcade, je veux dire. Il était comme ça ou c'est vraiment une adaptation un peu cheapos pour convenir au hardware? Ah, punaise, j'ai pas regardé. Je pense que c'est là que je suis censé utiliser le. Ok. Ok, donc là ça glisse. Donc dès que j'appuie un petit peu, je me déplace beaucoup. Manque de peau pour le jeu, j'ai joué à Dirt Rally 2 aujourd'hui. Juste essayer de retourner jusqu'au pont. Oui, c'était ça. C'est un des derniers jeux sans processeur. MAME ne l'émule pas d'ailleurs. Ah ok, je savais pas. Il y a déjà un processeur sur Turbo du coup? Enfin oui, si, j'imagine que oui, vu qu'il y a. Il y a déjà un peu l'origine des jeux qui vont devenir les jeux super scalaires de Sega. Je me suis jamais intéressé à Band Turbo, ni même les jeux d'arcade du tout début des années 80, fin 70. C'était pas. Enfin, Space Invader, Pac-Man évidemment, j'y ai joué, mais le reste, pas quelque chose qui m'a intéressé. Bon, Monaco GP. Pas mauvais, mais il y a mieux. Il y a mieux que ce soit Hang On 2 qui a certes pas de. On sent pas la vitesse, mais visuellement est beaucoup plus réussi. Ou juste GP World qui retranscrit bien la vitesse. Et il est juste bien. GP World est mieux. Il est juste mieux pour le moment. C'est. End Sub. Bon, j'imagine que ça va être un truc de sous-marin. It chips to score point. Ok. Ah, les petits bateaux jaunes. On sait pas combien de points ils nous donnent. D'accord. Ok.
Et j'imagine que je dois pas tirer sur les... Je sais pas. Nous sommes donc sur un Space Invader avec des bateaux. Bon, on résume déjà grossièrement, c'est pas très cool pour le jeu. Le sous-marin est pas très réactif, après bon. Ok. Je retire ce que j'ai dit. Il est pas très réactif. Mais je m'attends. Oh, j'ai même pas vu que j'ai été touché là. Ok. Le jeu là, il vient de me mettre un pic de difficulté dans la gueule, j'étais pas prêt. Allez. On nettoie déjà les sous-marins. Oh, punaise, j'ai pas vu la torpille partir. 88 le jeu? Mais Master System était déjà là depuis 2 ans, pourquoi ils ont fait ça? Enfin, je veux dire. Oups. Je dis pas que c'est inutile, mais je veux dire, c'est la même année que la Mega Drive sort, quoi. Pourquoi vouloir sortir un jeu sur une console que t'as pratiquement laissé à l'abandon? Ah, punaise, j'ai pas eu le temps de réagir. Un sous-marin un poil plus rapide, je pense que ça aurait été quand même pas mal. Parce que vu la difficulté qu'on nous balance dans la gueule, punaise. Allez, je vais bien réussir à faire quelque chose. Oh, mais en plus, j'avais pas vu. Oh, pas très grave ça maintenant. Là. J'avais vu les deux lignes de bateaux qui sont vraiment dans l'eau. Mais j'avais pas vu que tout au fond, il y en avait encore. Oh shit. En vrai, est-ce que c'est pas plus safe de rester tout au fond, là, comme ça, et juste tout balancer vers le haut? Ah, mon sous-marin est quand même un poil plus rapide que ceux des autres, j'ai l'impression. Ah oui, mince, c'est vrai. J'ai quand même oublié que j'avais descendu le son. Ouais, par contre, je suis pas sûr que t'aies très envie de... d'entendre ces sons-là, mais... Là, ce jeu, il fait vraiment anachronique par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. 2 ans avant, il y a ces gars qui sortent Gull Cave sur... Oh, punaise. Sur SG-1000, qui est vraiment impressionnant. Et là, on a ça qui... Je veux dire, t'attendrais à voir ça en 81, 82, quoi. Ça tend plus à ce que ce soit un jeu de d'Intellivision ou de ColecoVision qui aurait été adapté, mais là, 88. Bon, on va pas insister plus longtemps là-dessus, c'est mais et rien de vraiment mauvais, mais quand tu te dis le jeu est sorti en 88, et encore une fois, c'est un genre de shmup, donc pourquoi vouloir jouer à ça plutôt qu'à Gull Cave ou... On a eu quoi comme autre shmup? On a eu un autre shmup, je sais plus. Bon, il y avait Nightmare aussi. Il y en a un autre que j'ai oublié, c'était Xerion. Ah, ou même Shoplifter d'ailleurs, tout simplement. C'est... Là, c'est vraiment pas terrible, hein. Depuis qu'on a quitté les jeux en L, c'est pas terrible, hein. Ah, mais voilà Ninja Princess pour remonter les niveaux. Maintenant, il s'agit juste de ne pas être mauvais. Pas gagné non plus. 86, bon. Twin stick shooter avec un seul stick. Mais il est sympa. Bon, visuellement, il est pas dingue, hein. Mais très bon point pour le jeu. Oups. Il tente pas de faire un scrolling, il fait plutôt des genres de demi-écran pour avancer. Ah zut! Et ça rend l'action quand même déjà beaucoup plus lisible hein, que ce qu'on a vu. Est-ce que je peux aller droite?
maintenant. Ok. Ah mais non, j'ai pas été touché là. Oh. Monsieur l'arbitre, j'ai pas touché. Allez. C'est ici qu'il apparaît, non? Yes. Ok, donc on peut anticiper. Oup, oup, j'avais oublié. Ok, je vais un peu plus vite qu'eux. Est-ce qu'il est parti, ninja, là? Ouf, ouf, ouf. Yes. Ah, un upgrade. Alors, par contre, je pense que c'est un serre-tête qu'elle est censée avoir dans les cheveux. Mais en vrai, j'ai plus l'impression qu'elle a une calvitie. Je pense qu'ils auraient mieux fait de juste lui laisser des cheveux. En trois quarts, ça va. En trois quarts, tu te dis, ah bah c'est un serre-tête. Ok. Le shuriken, il traverse les ennemis. Mais de face? La pauvre est... Sacré calvitie, hein. Par contre, oulala. La superposition des sprites, là. Qu'est-ce que c'est? Et je me fais battre par un bâton de majorette. Encore une fois, on essaie d'aller un peu plus loin cette fois. Si on perd pas des vies bêtement au début. Ah non! Donc il parlait de pas perdre de vie bêtement, du coup il a foncé dans le tas. Je pensais que je pouvais contrer les shurikens. Mais c'était pas trop le cas. Ok, donc lui a de nouveau disparu. Petit upgrade, allez. Je sais que les rochers c'est des ninjas, mais est-ce que je peux les tuer à l'avance? J'ai pas l'impression. Oh! C'était pas eux les rochers en fait. Ils étaient plus loin. Ah, c'est eux. Bon, je peux pas. On va anticiper. Ok. Ah, mais non! Bon. Je pense qu'il faut beaucoup persévérer quand même à ce jeu. Il a pas l'air très dur, mais là le boss m'a systématiquement one shot sans que je puisse comprendre. Je sais même pas s'il a un pattern derrière ou quoi. Il apparaît tellement proche que. On va voir ce que fait l'IA. Elle choisit de mourir tout de suite. Je sais que Ninja Princess a été adapté en de Ninja sur Master System et il a plutôt une bonne réputation. Mais je pense que c'est le genre de jeu qu'il faut, sur lequel il faut insister pour vraiment commencer à maîtriser le truc et ne pas être en panique quand un adversaire apparaît à quelques mètres de toi parce que là, c'était pas mon cas et je pense que ça s'est remarqué. Allez, un jeu de golf. Avec une golfeuse à tête énorme, tellement énorme que même l'oiseau est choqué. Et le poisson aussi. Bon, on va espérer que c'est mieux que Champions Golf qui était vraiment horrible. Pourtant, réussir un jeu de golf, en principe, c'est pas dur, hein. Bon, j'imagine que c'est ordinateur contre joueur 1. Ok, je sais pas. Bon, je ne sais toujours pas. Que ça c'est l'ordinateur qui a fait. Et maintenant c'est mon tour. Ouais, il y a le P1 en haut qui est à 0, donc ce qui n'est pas encore mis de coup. Ok, donc qu'est-ce que je gère là? Oh shit. Donc ça doit être mon club.
Donc il me faut celui-là, ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça se trouve c'est le genre de tir, et là, c'est la direction que je veux, ok. Bah cool, j'irai tout droit, c'est bien. Mais j'ai pas bougé. Ok, c'est encore à moi. Il y a un truc que j'ai du mal à faire. Est-ce que je devais réappuyer? Qu'est-ce que c'est que ce son? Ah, c'est peut-être pour le vent. Bon, j'avance pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, j'ai changé de club de golf par erreur et j'ai pas le bon équipé. Ça, je ne sais de toute façon pas ce que c'est. On peut essayer autre chose d'ailleurs. Et là, il y a une genre de barre qui apparaît, mais elle ne bouge pas sauf au dernier moment. Moi, je pensais que ce serait une barre de. Tu sais, les barres de puissance qu'on voit habituellement dans ce genre de jeu, où on réappuie pour valider la puissance qu'on veut donner. Ah, est-ce que le fait que je suis devant, ça passe pas à l'IA? Si. Visuellement, franchement, le jeu il claque. Les jeux de golf font souvent partie des plus jolis jeux parce que t'as surtout à animer le golfeur et puis après tu fais un joli paysage autour quoi. Donc y a pas grand chose qui bouge à la fois. J'ai même loupé la balle, voilà. Je ne sais pas ce que je fais par contre. Je pense que celui-là pourrait être sympa en comprenant ce qu'on fait. Quand j'appuie, est-ce que ça lance directement? Incroyable. Je vois le. Ah mince, je viens de changer de club. Je sais pas ce que je fais encore une fois. Bon. Je pense que c'est le moment où je réappuie en fait, en fonction d'animation, ça donnait la puissance. Peut-être. Peut-être pas. C'est vraiment pas clair. Mais non, on avait fait une animation beaucoup trop petite, c'est pas possible. Comment tu dois faire? Bon, on va passer à un autre jeu. C'est le golf, j'aime beaucoup. J'adore jouer à Golf Hit avec les potes. Bon, c'est du mini-golf, mais. Là, non. Là, non. Orgus, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Là. Robot géant? Ouh, on dirait qu'on est parti pour du shmup là. Allez. On a donc un jeu de robot géant a priori. J'imagine que je détruis des monstres. Et j'ai envie de dire, ils se sont pas foulés pour le sprite, hein. C'est juste un robot géant debout. Par contre, on peut contrer les tirs ennemis, c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai une. Ah, mais je peux me transformer? J'arrive pas à le toucher. Ok, maintenant il reste à savoir c'est quoi l'avantage de se transformer par rapport à la non-transformation. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. 70, 80 jeux, un truc dans ce genre. Honnêtement, j'ai pas regardé combien il y en avait exactement qui sont sortis, hein.
Bon, là, je crois quand même que j'avais été touché par l'ennemi, mais j'ai pas l'impression que ça m'a fait des dégâts. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais, là, pareil, j'ai été touché, mais j'ai pas l'impression que ça m'ait fait quelque chose. Est-ce que j'ai des genres de points de vie, peut-être, quand je suis en forme humanoïde? Quand je regarde le scrolling, j'arrive pas à savoir. Ça me paraît pas fluide. Mais sur la première partie, ça me paraissait plutôt fluide. Je sais pas si c'est moi qui. Non, c'est pas énorme, mais c'est pas une machine. Enfin, c'est dans la moyenne de ce qui se faisait souvent à l'époque. Hein. Si tu acceptes Atari 2600, les consoles n'avaient pas des ludothèques énormes. Et la SG-1000 a été. Ah, mais allez, touche! Mauvais. C'est grosso modo une ColecoVision ou un ordinateur MSX de jeu quoi. Quand ça sort en 83, tu sors du crack boursier, t'attends pas. Crack boursier. Crack des jeux vidéo, t'attends pas à. Time over, d'accord. Mais je devais faire quoi du coup? On dit time over, mais si j'arrive pas au bout du niveau, je peux accélérer le truc? Non, je peux pas. Ouais, en fait, c'est pas fluide non plus. Ici, j'avais l'impression, mais. Une fois que je regarde mieux. Et en fait, si je suis au ralenti, en fait, ça ralentit le truc. Oups. Game over. Ok, relançons vite fait. Mais ouais, en 83, t'attends pas à avoir énormément de jeux sur une console qui sort, quoi. Qualité! Bon, donc là. L'espèce de scrolling est lent. Et ouais, bah pareil, les éditeurs tiers, ça reste une idée très vague encore. C'est. Dire même Sega, ça produisait sur d'autres consoles à ce moment-là, donc. Ok, on va se transformer. Et là, du coup, ça devient un flux une fois que je. Mais. Selon où je suis sur l'écran, c'est plus ou moins rapide. Je pense que je dois atteindre un objectif comme ça, mais ça me semble bien compliqué. Et je pense pas que ça vaut le coup de d'insister. Le jeu est pas moche, mais. En gros robot, j'ai l'impression que t'es invincible, donc ça a pas trop d'intérêt. Juste tester quand même un truc. Si je me mets en gros robot, est-ce que ça va plus vite aussi? Non, en fait, en gros robot, c'est forcément lent. Donc je pense que tu es censé alterner un peu entre les deux. Alors t'as la version où tu bouges vite parce que voilà, tu veux aller sauver le monde. Et puis t'as les monstres qui apparaissent et du coup tu te retransformes en robot. Ah bah non. Bon. Othello, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne suis pas sûr. Et après c'est une console qui a eu que 3 ans de vie aussi. Enfin, 3 ans. T'as eu la Mark III en 86. Du coup, qui est devenue la Master System ailleurs. Est-ce que c'est. Ah, d'accord, je choisis si je joue blanc ou noir. Mais j'ai pas fait de choix. Salaud. Comment je maximise ça? Ben, l'objectif, ça, il me semble qu'à la fin, c'est avoir plus de pions de ta couleur que
l'adversaire. J'ai jamais vraiment connu les règles, hein. J'ai vu comment ça se joue, mais. Qu'est-ce qui serait le plus avantageux là? C'est pas vraiment un jeu que je maîtrise. J'avoue que je peux que en faire en transformer un de toute façon. C'est où qui me fait le moins de dégâts après? Je sais pas, j'ai pas envie de réfléchir en fait. Il est trop tard pour réfléchir. Ok, tu transformes celui-là. Du coup, tu vas vouloir en mettre un ici. Si je mets là-bas, tu vas juste mettre ça, donc ça m'arrangera pas non plus. Faut que je te le retransforme. Ah, j'avais pas vu. Bon, je saurais pas dire si l'IA est forte ou pas, vu que je ne sais pas jouer correctement à ce jeu. Par contre. Là, il pourra pas en rajouter d'autres pour reprendre certains. Si là, je mets celui-là, est-ce qu'on est obligé de faire retourner des pièces? Est-ce que ça me sécuriserait ça, il pourrait plus prendre cela, il pourrait pas prendre cela. Non, je peux pas, je suis obligé d'en retourner. Ça m'embête un peu. Je pense que viser diagonale, c'est pas mal. Parce que ça laisse du vide à côté, donc ça va l'empêcher de retourner trop de mes pièces. Ouf, il me fait mal là. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce combo? Pas grand-chose. Ici, ce sera à peine mieux. Sachant qu'il pourrait toujours remettre un blanc ici, donc il récupérerait ça au moins. On le fait quand même. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je sais pas, faut qu'il puisse faire grand-chose avec ça. Là, je pourrais faire ça. Et après, avec ces blancs, normalement, il fait rien. Peut-être. C'est chiant, il est en train de prendre tout le côté. Là, je vais pas pouvoir vraiment que je sécurise. Si je mets là, c'est pas bon. Et là, je peux pas. Si je le pose ici.
exemple, du coup, maintenant, si je mets celui-là là, quoique non, ça va pas le faire, je pense. Ça va pas remonter jusque là, ce serait stupide. Mais si lui venait en mettre un là, ça m'embêterait quand même. Ah bah oui, du coup, ça retourne pas, donc je suis quand même obligé de le faire. Il va faire A6. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances qu'il le fasse. Ah, peut-être au prochain tour, hein. Je pense que je suis contre un adversaire niveau 1. Ouais, voilà, c'est niveau 1, donc forcément, pas non plus mettre un adversaire hyper fort dès le début. Par contre, j'ai l'impression que je suis bloqué là, non? Ah non, il y a lui que je peux transformer. Je pense qu'il va plutôt partir sur un A5 du coup si je mets là. Il pourra essayer de récupérer ça. Parce qu'avec As. Ah bon, pas du tout. Pas du tout! Il va sûrement mettre un dans le coin là, quelque part. Et moi je peux de toute façon un retourner, donc par celui-là. Bon, globalement, je domine le truc là, donc je pense que. Player passe. Quoi? Pourquoi j'ai le droit de jouer deux fois? Oui, attends, la situation se retourne là, c'est pas bon. En plus, je peux toujours pas les mettre là, j'ai pas le droit. J'ai pas énormément de choix en vrai niveau mouvement moi. Il commence un peu à m'enchaîner là. Ici ça m'en ferait toujours qu'un seul donc c'est. J'en ai pas d'autre à faire. Ouais. Ouais, je peux pas les autres. Je suis à la merci de mon adversaire, il peut faire ce qu'il veut de moi. Il va me ruiner. Ok, il faut que je reprenne le contrôle des bords. Ça semble très important. Voilà. Il a pratiquement tous les bords, ça craint. Ouais, je vais. Haha. Ben, nouveau qu'ici que je peux faire. Du coup, il va pouvoir tranquillement le mettre là. Ou ailleurs, je sais pas où est-ce qu'il va encore pouvoir le mettre. Ah bah si, c'était là. Aïe aïe aïe. Il est en train de me bouffer. Et pourquoi player passe? Je comprends pas. C'est injuste, il a le droit de jouer plus de fois que moi. Non mais c'est bon, j'ai compris, il a gagné. Arrêtez ça! Arrêtez ça, s'il vous plaît! C'est de la maltraitance! Joueur noir, joue maintenant. J'ai perdu, merci. Voilà. Wouh! Bon. Alors, l'Othello, c'est bien, mais il faut pouvoir réfléchir. Non, mais je vais pas voir ça. Je vais pas voir ça. Nickel, alors 23h40, faut qu'on fasse quelques jeux. Paccard! Sega 1983, donc un des premiers jeux de la console. Est-ce que c'est moi qui joue? Oui, c'est moi. Non. Est-ce que c'était moi qui jouais ou pas? Ça a l'air d'être moi. Bon, ça a l'air d'être un genre de Pac-Man. Avec des voitures. C'est pour ça que ça s'appelle Paccard. Hop.
je peux prendre le virage. Par contre, les petites boules bleues, les petites boules, enfin les grosses boules justement, je pige pas trop, je suis passé dessus, mais ça les a pas pris. Hop, une. J'avais pas vu. Oh, par contre, quand on essaie de faire demi-tour, du coup, on est en marche arrière et on va tout lentement. C'est pas mal. Enfin, complètement inutile et. Et pas intéressant comme boucle de gameplay, mais. Il y a une petite idée. Ah, bah, je suis passé en rose là cette fois. Ouf. Ok, il y a de la variation dans l'étape. Alors, quand on. Je peux pas m'arrêter. Si je lance recul. Enfin, si je commence à reculer. Ça continue sur plein de cases sans même que je puisse gérer ça. C'est pas. Et non, l'Othello, c'était pas un carnage, c'était juste un amateur qui a qu'une vague idée de comment on joue à ce jeu et qui n'a aucune idée des stratégies à employer. Généralement, la manette Mega Drive est assez adaptée au jeu 2D, mais là. Bon, il me poursuit vraiment en fait, il veut pas me lâcher. Heureusement qu'il veut pas plus vite que moi ou quoi. Ah, bon, j'avais les dernières. Mais c'est de nouveau le même. Oups, le même stage que le premier. Game over. Est-ce que ça vaut le coup de relancer? J'ai pas l'impression que ce soit très. Ouais, moi, la chance de débutant, du débutant, je connais pas. Hein. C'est. Est-ce que je vous lance pas? Car il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. C'est un triste clone de Pac-Man avec des voitures. Avec une voiture et une marche arrière lente que tu ne contrôles pas. C'est. Ouais, c'est basique. C'est. En 83, c'était déjà dépassé. Et ça l'est encore plus maintenant. Ouais, Pachinko. Bon, j'ai rien que c'est un simu. Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît. Alors il y a bien la petite balle en bas qui bouge, mais start. Bon, start, ça met juste le jeu en pause. Mais il n'y a rien qui réagit. Ah! Pardon. Il faut que j'appuie sur les deux boutons en même temps. Non. Un seul, mais je sais pas pourquoi ça n'avait pas pris la première fois. Est-ce que je peux influer ou c'est vraiment juste du. J'attends juste d'avoir de la chance de gagner. Gagne quoi là? Il y a un meilleur temps à obtenir, mais c'est quoi ça? Quelle est l'idée derrière tout ça? C'est le plus rapide à balancer toutes les balles? Game over. Sega, j'ai aucune idée encore une fois de. Et là, si j'appuie sur le bouton avec lequel j'envoyais les balles avant, il n'y a plus rien qui se passe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que. Ah! Ah, j'ai gagné des balles, des billes supplémentaires plutôt. Mais oui, c'est. Ah, attends, en bas, je crois que c'est pour viser en fait. Oui! D'accord. Ok. Ouais,
Alors je pense que c'est beaucoup du hasard. Mais en fait, la bille en bas qu'on voit, ça, j'ai l'impression que ça influe, je sais pas, peut-être sur la puissance qu'on met. Ah. Et du coup, ça. Ça a l'air d'influer sur la trajectoire qu'elle va prendre. Par contre, de là à dire qu'il y a du skill. Et... C'est un simulateur de pachinko, quoi. Est-ce que je peux aller plus loin à droite? Non. Non, c'est peut-être quand même que de la chance. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression que ça a influé, mais. Ça se trouve, c'est comme ça que les Japonais deviennent addicts à ça. Hein. Moi non plus, j'ai juste vu des. Allez. Bon, il se passe plus rien. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, je crois. Hein. C'est. Mais peut-être qu'avec Pachinko 2, il y aura plus. Ok. Donc il y a trois types déjà cette fois. Grosse évolution. Bon, alors lui, c'est littéralement même qu'avant. Ah bah, là en bas. Cette fois, ils ont mis un pseudo-tuto. Et c'est vachement plus réactif déjà. Allez. D'un côté, j'ai du mal à voir le côté addictif, mais en même temps, je regarde avec attention ces billes qui tombent. Mais bon, c'est. Il n'y a pas grand chose à dire, je crois. Hein. C'est pas hyper intéressant. Ça aide peut-être pour ceux qui ont des addictions à les guérir. Plutôt que de mettre de l'argent et commencer à jouer à ce jeu et après. Comme c'est pas très intéressant, ben, ils finissent par passer à autre chose. Peoples, j'ai aucune idée de ce que c'est. Jumbo. Je sais pas si c'est développeur, mais si c'est le cas, c'est quelques fois qu'ils apparaissent déjà. Ah, je connais pas. Oh. Je sais pas exactement. D'accord, on peut sauter de. D'aller en aller, on va dire. Mais c'est quoi ce champ de fleurs hyper dangereux? On dirait Girls Garden. Bon, j'ai une supposition. Ça, c'est le garçon que la fille de Girls Garden essaie de séduire. Et s'il lui demande de chercher des fleurs, c'est parce qu'il vit dans un endroit aussi dangereux. Punaise. Et du coup, s'il ne peut pas survivre aux ours, ben c'est foutu, hein. Il n'y a aucune chance que leur histoire d'amour puisse durer. On dirait des. Ça ressemble un peu à Guzzler, ça, les petites bestioles. Ah, mais c'est quoi ça? Ah. Mais pourquoi il faut que tu te déplaces comme ça sur les côtés? Ah, par contre, le scrolling est fluide là. Donc j'imagine qu'en fait c'est juste les fleurs qui défilent vers le bas. Mais du coup, encore une fois, comme Gold Cave, c'est propre. On est aux trois quarts du terrain de fleurs, a priori. Oh!
Une croix, est-ce que ce serait une vie? Ah non, ça élimine les ennemis, c'est très bien aussi. Ah, mais c'est dangereux! Oh, j'ai passé le niveau. C'est quoi ce fermier qui vit en enfer en fait? Les jeux de Bagatelle? Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense du coup c'est en fait du flipper, je me dis que c'est un peu le même genre de principe. Quoi? Non, 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 on va là-bas. Oh non, je suis en forêt, ça va être encore pire, il y aura des ours. Ah non, des souris. Ça va, elle est mignonne cette forêt. Et les taches rouges, est-ce que je peux les prendre ou est-ce que je meurs? J'ai l'impression que c'est des obstacles que je peux casser. Non, pourquoi? Ah, c'est vrai, on peut pas tirer sur les côtés. Oh, des fantômes maintenant. Et eux, ils peuvent traverser. Et les ennemis qui commencent à avoir des tirs aussi. Ah! C'est très dur. Le fait de pouvoir se déplacer comme ça sur les côtés, mais de pas pouvoir tirer sur les côtés, ça amène vraiment une grosse difficulté. Mais la musique est sympa, le jeu est plutôt joli, et on a envie de lui redonner sa chance. Alors cette fois, on défonce tous les ennemis. Vous pouvez venir les ennemis, hein, vous pouvez venir, on va tous vous tuer. Ouf, j'ai eu chaud. Ah! J'ai eu chaud mais cette fois c'est pas passé. Allez, on va chercher la pièce là. Ah non! Aïe aïe aïe! Concentre-toi, Hans! Tu ne pourras pas récolter les fleurs si tu meurs! Ok, là on prend un peu d'avance parce qu'il y a du monde. On est repassé, allez. On part à droite cette fois. Je sais pas si ça change quelque chose, mais. Ah! C'est marrant, mais je sens que j'ai choisi la version difficile là. Oui, non, j'étais pas sur la trajectoire. Bon, allez, il me reste encore. C'est quoi cet endroit? La musique est angoissante, hein, pour le coup.
Oh, j'avais regagné lui par contre, donc ça c'est bon. Allez, on essaie de tenir, on essaie de tenir. Ah, ça y est, le jeu essaie de nous faire croire qu'il y a une autre mignon là. Ouais, alors, par contre, bloquer le temps, c'est pas hyper utile non plus dans ce genre de jeu. Hein. Ah, mais attends, le panneau, je pouvais le récupérer depuis le début? Ouh! Ok. Et pas de nouveau, punaise! S'il vous plaît, arrêtez! Pourquoi je me bats dans une forêt avec autant de fantômes, de crânes, de squelettes et autres? Regardez, il y a les petites bestioles mignonnes, c'est censé être mignon ce jeu! Moi je croyais que Hans c'était l'ami des animaux. Aïe aïe aïe, je crois que c'était ma dernière vie. Ouais. Boum! Bah ça fait très peur. Non mais je comprends maintenant pourquoi dans Girls Garden du coup une petite fille doit aller chercher des fleurs et survivre aux ours. Hein. C'est parce qu'au final, le gamin, il lui laisse sa mission facile. Hein. Parce que lui, il doit traverser des forêts hantées. Il se fait agresser par absolument tous les animaux. Et il a rien pour. Il peut que leur envoyer des petits cœurs pour se défendre. C'est dur. C'est marrant comme même les démos là, ils durent que quelques secondes. Ah! Est-ce que c'est un truc avec un boss? Les têtes de Moai sur le côté, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il est minuit, on va s'arrêter là. Bon, jusque-là, j'ai l'impression que les bons jeux étaient vraiment concentrés de la lettre H, on va dire. Non, G. Jusqu'à, c'était quoi, L? Ouais, de G jusqu'à L, il y a plein de bons jeux sur SG1000. Avant et après, il y en a quelques-uns, mais on a l'impression qu'ils sont un peu perdus. Hein. Là, il n'y a même pas la musique, c'est. C'est limite encore pire en fait. Du coup, pour la semaine prochaine, donc, on reprendra avec Pitfall 2. Qui semble avoir deux versions déjà. Je sais pas si c'est les mêmes ou pas du coup. Et bon, il y a encore un peu de marge. Je pense pas qu'on arrivera au bout la semaine prochaine. Et ouais, que retenir de cette soirée du coup? Ninja Princess, je dirais que c'est surcoté. En tout cas, on a vu pas mal d'autres jeux qui étaient bien meilleurs que Ninja Princess, donc aucune raison de s'attarder sur celui-là. Monaco GP, c'est pas dingue. Pareil, on a mieux. Magical Kid Wiz, ça aurait pu être un genre de proto Wonder Boy au final. Quand on y pense, et je pense qu'on est plus proche du Wonder Boy 2. Enfin, Wonder Boy in Monsterland qu'autre chose. Mais j'ai rien compris, la réelle est dégueu. Lode Runner, ben, celui-là était jouable et compréhensible, contrairement à l'autre. The Legend of Cage. Il y a plein de très bonnes idées. Mais la SG1000 n'a absolument pas les capacités pour ça. Nightmare. Sympathique. Kings Valley. Bon jeu. Même si. Le jeu ne met pas vraiment en difficulté avec les ennemis. Si on gère un tout petit peu. C'est vraiment. Ça demande peu d'efforts, mais. L'aspect puzzle, par contre, lui, est assez retors. Hyper Sport, bon, on n'a pas compris. Hustle Chummy, sympathique. Et ensuite, c'était la semaine d'avant. Voilà, donc du coup, ben, on se dit à la semaine prochaine. Et. Ben, reposez-vous bien. Demain soir, c'est Mega Drive avec Shenron. Normalement, si tout fonctionne, on a fait des tests préalables, ça fonctionnait. Il y aura du multi et je serai là. Et voilà, et du coup, ben.
Bonne. Bon, il est minuit, donc plutôt bonne nuit. Si Virtua est dans le coin, bonne journée à lui. Et bah, à la prochaine. Ciao!